Thank you so much to be here this afternoon. We're going to start this after the opening lecture. This is a problem that's been in the different parts. I have very busy this morning, but I know that the people who can follow the opening lecture was very interesting. Now we are going to start this afternoon session with two papers, very close up, about violence and tension in the political and medieval context. We're going to start with Foronda, and after with another paper from Jean de Mulen and Lynn Berwoods. So, as you know, we have 30 minutes for each paper, and after we're going to have a debate together for the two papers. Bien, alors on va commencer pour François Foronda, le maître de conférence à Paris 1. Il est très connu partout nous, alors il n'y a pas besoin de présentation, mais peut-être il faut souligner qu'il était depuis quelques années un chercheur très innovatif autour de la tension dans la couronne de Castille au XVe siècle. Il s'est demandé si les coupes d'État au Moyen-Âge, si les contrats avant les contrats sociaux. Et alors, c'est très intéressant alors d'écouter si contrat politique et jus resistendi, réflexions à propos de la situation castellane. Alors, François, un petit peu. Gracias, Flacel. Rogério, je peux partager mon écran, oui. C'est bon, tout le monde le voit. C'est ça. Si, si. OK, très bien. Gracias, Flacel. First, my apologies because I didn't have time to prepare a speech in English, but with the slides, I think my paper will be understood. Y lo siento también porque en realidad las diapositivas van mezcladas en francés y en castellano. Bref, c'est un peu désordonné d'un point de vue linguistique. J'aimerais tout d'abord commencer par remercier les organisateurs Herminia Villar et Rogério Tostes de leur gentille invitation à participer à ce colloque. Et Herminia Villar ne m'en voudra pas, je pense, si j'adresse mes remerciements plus appuyés à Rogério, étant donné en plus les conditions difficiles personnelles qu'il a rencontrées pendant l'organisation de cette rencontre. Et cette rencontre se tient à Évora, mais online, c'est-à-dire sans rencontre possible, finalement, au-delà de nos écrans. Et je tiens donc à adresser mes salutations les plus chaleureuses à l'ensemble des participants, et plus particulièrement à tous ceux qui ont bien voulu apporter leur contribution à l'enquête sur le contrat politique, Diego Quaglione, Flossel Sabaté, Yann Dumoulin, Edouard Roncosa et Paolo Evangelisti, ici présents. Étant donné cette enquête préalable, je tiens à dire aux organisateurs et plus particulièrement à Rogério, à lui exprimer en tout cas mes félicitations pour la manière dont il a posé la problématique de cette rencontre en associant la question du contrat à celle de jus resistendi. Bien entendu, chacune de ces questions ouvre une direction de problématique spécifique. Mais leur conjonction pointe également un horizon commun de questionnement, plus particulièrement, je crois, autour de la question de l'explicitation du contrat et du jus resistendi, de l'inscription du contrat et du jus resistendi, de la légalisation de ces deux aspects, voire de leur constitutionnalisation. Et en ce sens, le contrat et le jus resistendi me semblent être les deux faces d'une même monnaie. J'espère que Paolo Evangelisti appréciera cette métaphore monétaire, celle d'une relation politique que la révolution du gouvernement depuis le XIIIe siècle et pour tous les pouvoirs installe finalement dans un régime de légitimité, voire de légalité, où prévaut finalement l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire bien entendu son bon exercice. Or, de même qu'il existe un contrat tacite avant un contrat explicite, une constitutionnalité avant la constitutionnalisation,
un jus resistandi émerge avant que celui-ci ne constitue un droit objectif et positif. Toutefois, si l'émergence de ce jus resistandi conduit vers ces grandes questions politiques du XIVe siècle, que sont plus particulièrement la tyrannie et le tyrannicide, dont traite la spéculation doctrinale, la théorie juridique ou le droit savant, voire même l'opinion publique, et je pense plutôt ici à partir de la seconde moitié du XIVe siècle et au début du XVe siècle, la légalisation effective du jus resistandi conduit, je crois, vers des terrains plus quotidiens, peut-être du politique, que révèle notamment la judiciarisation de la relation au pouvoir et les voies de recours contre l'arbitraire et tout spécialement seigneurial. Alors, je ne veux pas dire qu'il y aurait une supposée déconnexion entre ces deux domaines, c'est-à-dire le domaine de la pensée politique, du droit savant, de la théorie politique et l'autre domaine qui serait celui d'une pratique au quotidien du politique, mais simplement que la fabrique de la légalisation d'un jus resistandi trouve aussi dans les ressorts pratiques de la relation politique un adjuvant peut-être plus efficace que celui de ses ressorts théoriques ou idéaux. Et de ce point de vue, il faut tout de même remarquer qu'en Castille, deux accusations de tyrannie contre Pierre Ier puis Henri IV, deux tyrannicides réels pour le premier en 1369, mais au travers d'une effigie pour le second en 1465, et deux guerres civiles finalement en 1366, 1369, puis en 1465 à 1468, ne suffisent pas à produire la légalisation d'un jus resistandi au-delà des éléments porteurs de sa légitimation politique. En revanche, la seigneurialisation du domaine royal et les réactions urbaines contre cette seigneurialisation produisent l'explicitation de ce jus resistandi et sa concession dans la loi Pacte de 1442 relative à l'inaliénabilité du domaine. Et l'évocation du droit de résistance lors de la guerre civile de 1465-68 est en définitive davantage tributaire de cette légalisation à laquelle procède la loi Pacte d'inaliénabilité de 1442 que les débats pourtant féconds sur la tyrannie et le tyrannicide ou encore sur le meilleur des régimes politiques possibles auxquels la question extrêmement importante au travers de sa participation au débat entre conciliarisme et pontificalisme. C'est ce dossier de l'explicitation, de la concession et in fine de la légalisation d'un jus resistandi que j'aimerais évoquer aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un dossier neuf, étant donné que ce dossier, finalement, je l'avais déjà abordé dans le cadre d'une tentative d'archéologie textuelle de la revendication d'un contrato callado entre le roi et le royaume par les villes de Castille au Cortes d'Ocaña en 1469. Car si le lien de filiation entre ce contrato callado et la loi Pacte d'inaliénabilité avait bien été relevé, il me semblait que cette filiation était en réalité de l'ordre d'une contre-filiation et donc d'une rupture. L'enjeu tournait autour de l'utilisation dans cette loi Pacte de la formule juridique que vous voyez ici sur le slide, tout en haut, c'est-à-dire « ley real et por pactio et contracto » pour désigner en fait cette loi Pacte de 1442. Une formule de nature contractuelle, qui avait été réclamée par les villes au Cortés de 1442 et qui s'opposait en réalité, ou en tout cas dont on avait l'impression qu'elle pouvait s'opposer aux formules de l'absolutisme juridique, formule bien connue, qui se
sont utilisées dans nombre de royaumes en Occident à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, hein, pour la version castillane, Poderío Real Absoluto, Propiamente, Cierta Ciencia, et puis toutes les autres formules, hein, de dérogation et d'exception qui complètent cet arsenal juridique. L'invention de ce formulisme juridique de contenu contractuel indiquait deux adjuvants. Tout d'abord, premier adjuvant, c'est la seigneurialisation du domaine royal. Alors, c'est une tendance profonde de la monarchie Trastamare à partir de l'installation des Trastamare sur le trône, mais c'est une tendance qui est accentuée à partir du moment où se met en place une monarchie nobiliaire autour du règne d'Henri III puis de Jean II de Castille, avec une accentuation plus forte pendant la minorité de Jean II et juste après, en fait, la minorité de Jean II, en raison des luttes partisanes et d'un état de guerre civile larvé qui caractérise, disons, le devenir politique du royaume entre les années 1420 et 1450. Preuve de cela, c'est bien entendu les pétitions des villes aux Cortés à partir des Cortés de Palenzuela en 1425 et jusqu'à cette loi Pacte et même après, autour de la nécessité de mettre un frein à cette seigneurialisation du domaine, qui a quand même un effet important qu'il ne faut pas oublier du point de vue de la représentation politique, c'est qu'elle accompagne en fait une rétraction de la représentation politique, puisque si plus d'une centaine de villes participent aux échanges aux Cortés à la fin du XIVe siècle, après le règne de Jean II de Castille, elles ne seront plus que 17 à pouvoir jouir de ce privilège, ce qui nous place tout de même dans une logique de politisation qui est celle du XIVe siècle et de dépolitisation qui est celle du XVe siècle, avec un jus resistandi ou une légalisation qui accompagne en quelque sorte la dépolitisation de cette représentation. Deuxième adjuvant de ce formalisme contractuel, et qui est un problème qui se pose pour la Castille, mais qui se pose pour d'autres royaumes en même temps, c'est cette situation d'incertitude, en fait, que provoque un peu partout l'introduction de formules absolutistes qui font que, finalement, on ne sait plus très bien comment se hiérarchise l'ordre juridique avec l'amendement qui prend le pas sur la loi, des pragmatiques qui prennent le pas sur des lois votées au Cortés et qui posent en fait tout simplement la question de la nécessaire stabilisation de l'ordre juridique. D'une certaine manière, donc le formulisme juridique de type contractuel répond en fait à ces deux questions. La seigneurisation est un régime juridique devenu incertain, telle une formule de renfort destinée à, en quelque sorte, relever, rehausser la valeur de la loi et en même temps de parfaire en quelque sorte l'engagement du prince à propos de cette inaliénabilité du royaume. Alors, et un renfort qui s'accompagne d'un point de vue documentaire, un renfort formulaire qui s'accompagne du point de vue documentaire d'une assomption normative de la loi Pacte, dans la mesure où cette loi Pacte, c'est d'abord un jurement. C'est celui, vous voyez dans le tableau en bas, c'est celui du 5 mai, qui devient pragmatique le 5 juin et qui devient loi édictée au Cortés le 30 juillet. Alors, la question que pose ce formulisme contractuel, c'est finalement celui du au-delà de ces aspects techniques, la question du sens politique qu'il faut lui donner. Or, ce que j'avais tenté de montrer, c'est qu'en réalité, ce formulisme contractuel fonctionnait comme une formule d'auto-limitation qui ne cessait pas de dire en même temps toute la puissance souveraine et juridique du prince, avec une formule d'auto-limitation dont les origines pointaient en réalité en direction du droit des contrats,
en particulier du contrat onéreux, dans la mise au point de cette formule de renfort à partir du régime d'indisponibilité patrimoniale des majorats, mais aussi des pratiques transactionnelles concernant les seigneuries, possessions et autres domaines patrimoniaux caractéristiques de la pression seigneuriale. Et ce que montre le déploiement de l'usage de cette formule entre, disons, les années 1442, au moment où cette formule contractuelle est inventée en quelque sorte entre le 2 et le 5 mai, j'y reviendrai, et les années 1460, c'est un fonctionnement essentiellement, enfin seulement en tout cas, de ce que j'ai pu constater à partir de la documentation rassemblée, dans les privilèges d'inaliénabilité qui sont octroyés pendant la phase d'assomption normative de la loi Pacte, mais qui sont également octroyés par la suite, ce qui prouve en même temps la relativité du caractère général de cette loi Pacte de 1442, et puis également dans les privilèges d'exemption fiscale, qui finalement sont un élément supplémentaire de la mise en place d'un régime de faveur en faveur de quelques villes seulement. Alors, dans cette première approche de ce dossier, je n'avais pas assez prêté d'attention finalement à quelque chose également de très important, qui est que dans cette loi Pacte de 1442, eh bien, on procède à la légalisation d'un jus resistandi. Et un jus resistandi qui apparaît trois fois dans la loi Pacte de 1442 au travers de deux mentions. Tout d'abord dans la pétition des villes qui réclame ce jus resistandi, antes sin pena alguna se pueda hacer resistencia actual o verbal de cualquier cualidad que sea o ser pueda aunque sea con tumulto de gente de armas. Ensuite, villas y hogares se puedan tornar y torne a la vuestra corona real de vuestros reinos por su propia autoridad en cualquier tiempo resistir por fuerza de armas o en otra manera al tal a quien fuese fecha la dicha merced sin pena alguna, avec ici un enjeu qui est un jus resistandi destiné à rendre sans aucune valeur la cession, bien entendu, et dans la concession, eh bien, dans la réponse du roi, la concession donc, de ce jus resistandi. Attendez, il faut que je change la place du petit écran avec vos têtes, parce que sinon je ne vois pas. Voilà, je ne vois pas les slides. Donc, reconnaissance qui se fait au travers de la mention suivante, de causa que la tal ciudad evilla el hogar que así fuera enajenada contra el tenor de forma de los uso dicho que pueda resistir y resista sin pena alguna de fecho y de derecho. Alors, remarquons quelque chose, c'est que dans la demande des villes, on demande la reconnaissance d'une possibilité de faire resistencia actuelle au verbal, et dans la réponse du roi, on parle d'une résistance qui se fait de fecho et de derecho, ce qui est un élément de différence sur lequel je reviendrai. En tout cas, ça veut dire qu'avec cette loi Pacte de 1442, on constate par conséquent que finalement le formulisme contractuel se conjugue par conséquent à la reconnaissance d'un jus resistandi explicite et précisé dans le même temps, précisé dans le sens de la possibilité du soulèvement armé ou des actions de fait ou de droit, ce qui ouvre bien entendu le champ des possibles de cette résistance. Alors, il y a là aussi une logique de renfort qui, bien entendu, place finalement entre les mains mêmes des villes, localités et châteaux qui sont confrontés aux cessions la défense de l'inaliénabilité à laquelle s'est engagé le roi par contrat. Alors, le schéma explicatif retenu pour le déploiement du formulisme contractuel est valable finalement pour le droit, pour la mise en œuvre, le déploiement du droit de résistance tel que l'on peut le suivre dans la documentation. Puisque ce que les deux adjuvants fonctionnent également, c'est la question de la seigneurialisation
et de la résistance hein, que provoque cette seigneurisation du domaine, et la question de l'incertitude légale qu'introduisent les formules de l'absolutisme et la nécessité de contrer cette instabilité. Alors, ce que l'on peut remarquer également du point de vue de l'invention formulaire, c'est que l'on constate également le même lien qui s'établit entre le privilège d'inaliabilité concédé à Valladolid le 2 mai et le jurement d'inaliabilité générale concédé au royaume le 5 mai, puisque on retrouve hein, dans la pétition que formule Valladolid et à laquelle répond le roi la concession hein, de ce privilège de jus resistendi au profit de Valladolid qui est étendu par conséquent au reste des villes et localités des royaumes. Avec des différences toutefois, si l'on compare les deux versions, celle du 2 mai et du 5 mai, qui sont toutes les deux porteuses aussi des formules juridiques du contractualisme, pour le privilège de Valladolid, qui est d'ailleurs répété dans les mêmes termes pour Madrid, mais qui est atténué en fait pour Ciudad Rodrigo, la possibilité d'une demande extérieure, hein, donc à d'autres villes et d'autres localités pour mener à bien cette résistance. Hein, c'est toute la question des ligues urbaines ici qui se pose. Et pour la loi d'inaliabilité, cela est finalement. La différence s'opère avec le rappel hein, dans la pétition, cette fois-ci, de la resistencia actual au verbal hein, qui apparaît dans la pétition des villes. Hein. Et différence à laquelle le roi répond donc par une concession hein, d'un droit qui porte essentiellement sur la possibilité de résister hein, de droit ou de fait. Et ce que l'on peut constater, c'est que le déploiement de ce jus resistendi par la suite prend en réalité le même chemin que le déploiement des formules, formules juridiques de contenu contractuel auxquelles hein, ce jus resistendi est toujours associé dans certains cas, mais peut également être utilisé de façon autonome en fait, dans les actes qu'il est possible de prendre en considération. Alors, ce n'est ici, le tableau que je vous présente n'est absolument pas exhaustif. En fait, j'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de temps de préparer la communication, mais si j'avais continué encore une semaine, deux semaines, trois semaines, il faudrait faire un tableau de 30, 40, 50 documents en réalité pour montrer cela, dans la mesure où en fait, on retrouve essentiellement au déploiement de ce jus resistendi dans les privilèges d'inaliénabilité. Hein, ces privilèges d'inaliénabilité, ils sont ici en fait en la couleur du slide hein, que vous retrouvez ici dans le tableau. J'ai retenu simplement Lorca et Cisneros, hein, d'ailleurs avec des régimes juridiques qui sont différents puisque Cisneros c'est une terre de Beatria. Et deuxième chemin de déploiement, qui est un chemin que prend le formulisme contractuel, ce sont les privilèges d'exemption fiscale. Avec ce premier privilège d'exemption fiscale qui utilise les formules juridiques de type contractuel, qui est celui concédé à Valladolid et qui est repris par la suite dans d'autres privilèges, Jaén en 1456, Madrigal en 1463, Calahorra et Alfaro en 1464, Laguna en 1466. On pourrait multiplier les exemples. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en tout cas que tel qu'il est mis en pratique, hein, ce jus resistendi, finalement, est un autre élément qui vient conforter hein, le régime de faveur qui se met en place hein, au profit de certaines villes et localités du royaume. Et dès lors, on est ici dans une contradiction entre la loi générale et la nécessité de rappeler par le privilège particulier en fait, la loi générale, hein, ce qui tend à en réduire la portée, et un jus resistendi qui est par conséquent limité à deux domaines. Hein, c'est la défense même de l'inaliabilité, une défense qu'il faut envisager essentiellement dans deux directions, hein, défense de cette inaliabilité face finalement au renoncement du roi à défendre cette inaliénabilité et défense de cette inaliénabilité pour s'opposer en fait à la prise de possession par les seigneurs des biens qui leur sont ainsi octroyés.
Et deuxième domaine, hein, c'est la défense de l'exemption fiscale. Et une défense de l'exemption fiscale, une résistance ici, dont le champ est à proprement, qui est proprement désigné comme la résistance finalement à l'oppression des agents fiscaux. On a finalement là les deux domaines d'oppression auxquels les villes sont particulièrement sensibles. Hein, c'est la question de leur juridiction, hein, et la question de leur finalement des bases foncières, patrimoniales, juridiques de leur identité urbaine et de ce qui fait aussi leur identité dans la relation avec le roi. Et puis l'autre champ, bien entendu, c'est celui de l'administration fiscale et de la possibilité de s'opposer donc à un non-respect par ces agents fiscaux de l'exonération et donc la nécessité de défendre pratiquement au jour le jour cette exemption souvent finalement non respectée par les agents fiscaux. Alors ce tableau-là serait tout à fait incomplet si on ne prenait pas en compte en fait un troisième champ de déploiement du jus resistandi, mais qui est un champ négatif hein, du déploiement du jus resistandi, qui est la référence à la résistance dans précisément les cessions qui sont faites par le roi de seigneuries et autres possessions contre en fait son engagement de 1442 de ne pas aliéner le royaume. Et ce qui nous montre en fait la logique dans laquelle on est d'une constante hein, dérogation par le roi lui-même du principe posé en 1442 et qui montre que le principal danger hein, juridique, juridictionnel, patrimonial, vient en quelque sorte du cœur même hein, du système politique hein, de ce prince finalement qui installe hein, l'instabilité dans l'ordre juridique. On a quelques exemples ici parmi les nombreux exemples possibles hein, quand je parle de droit, comment dire, de mention négative. C'est par exemple hein, dans plusieurs cas ici qui se réfèrent aux concessions faites à Don Juan Pacheco, hein, le marquis de Villena. Vous voyez ici, en fait, ces concessions sont en partie déterminées par des concessions préalables au prince d'Asturie en 1444, hein, où on parle de résistance actuelle au verbal, mais justement pour dire que la prise de possession en fait, des seigneuries comment dire, concédées doit faire fi hein, de cette résistance actuelle au verbal. Hein. Et si je prends en fait cette cession du marquis de Villena au prince d'Asturie, c'est parce que la cession au prince d'Asturie est préalable à celle que réalise le prince d'Asturie en faveur de Don Pacheco, que vous avez ici en 1445 et qui est confirmée par la suite de la même façon. Il y a d'autres exemples hein, qui ici font référence à Pacheco. Hein. Vous en avez un également hein, en 1455. Mais il y a d'autres exemples possibles. Hein, parmi une foule d'exemples, Colmenar, la cession de Colmenar au bénéfice de Doña Juana Pimentel, la veuve d'Alvaro de Luna en 1453, la Polo Montalbán en faveur de Pacheco à nouveau en 1461, ou encore Trujillo hein, en faveur d'Alvaro de Estúñiga en 1465. Or, ce qui est intéressant, c'est que je disais une référence négative. Or, il faut comprendre qu'il y a un retournement qui s'est opéré ici. Un retournement puisque finalement cette catégorie de résistance actuelle au verbal, rappelez-vous, c'est celle précisément que utilisaient les villes dans leur demande, un engagement ferme donc d'une ley real et por pacción de la part du roi avec association d'un jus resistandi dans la pétition que les villes avaient présentée aux Cortes de Valladolid en 1442. Or, ce que vous constatez, c'est que ici, justement, cette expression de resistencia actual o verbal est en réalité employée dans les privilèges de concession pour empêcher cette resistencia actual o verbal. Alors, et rappelez-vous, c'est une demande de possibilité de résistance actuelle au verbal à laquelle le roi avait répondu par la possibilité d'une résistance de fecho o de derecho. Alors, il faut se demander par conséquent, je crois, quelle est l'origine de ce concept de résistance actuelle et verbale hein, qui est utilisé finalement dans la pétition de 1442, mais qui n'est pas reprise dans la réponse du roi et qui est réutilisé dans les privilèges de concession, mais de façon
de façon négative. Alors, si je reprends la séquence hein, de cristallisation à la fois du formulisme contractuel et de l'égalisation de ce jus resistandi, en réalité, on pourrait considérer que voilà, on a une demande urbaine qui se fait dans cette direction en 1442 et que, comment dire, on a là dès lors en fait une catégorie hein, maniée par les oligarchies urbaines qui sont présentes à Valladolid, qui ont accès au Conseil royal et qui, disons, obtiennent finalement la reconnaissance de ce jus resistandi, qui, par la suite, est désactivé dans les concessions seigneuriales que relie le roi. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que cela. Alors, je n'ai certes pas eu le temps de pouvoir faire toute la prospection documentaire que j'aurais souhaité faire, hein, mais il y a une piste hein, qui me semble quand même intéressante et je crois que la documentation rassemblée tend à confirmer la validité de cette piste aussi. Hein, j'avais indiqué tout à l'heure à propos du formulisme contractuel hein, que son introduction finalement dans le pacte de 1442 était tributaire hein, du droit des contrats, en particulier contrats onéreux, hein, à partir du régime d'indisponibilité des biens et aussi des pratiques transactionnelles hein, concernant les seigneuries et autres biens. Or, la question que je me suis posée, à laquelle je tente de répondre, est-ce que cette piste-là, finalement, d'introduction d'un jus resistandi, qui est en gros celle d'un droit des transactions, d'un droit de possession des biens, était également valable pour ce jus resistandi qui est légalisé en 1442, en même temps que le formulisme contractuel. Or, la prospection documentaire que j'ai pu réaliser, à la fois en aval et en amont de l'introduction, la légalisation de ce jus resistandi en 1442, tend à confirmer cette piste-là. Je prends ici l'exemple de l'échange réalisé en 1461 entre l'ordre d'Alcantara et Don Juan Pacheco à propos de Morón et d'autres localités, villes et châteaux, un exemple particulièrement intéressant parce qu'il nous rappelle hein, ce lien entre le formulisme contractuel et le droit de résistance, hein, puisque dans la première partie hein, de cet échange, on parle de pactio et de conveniencia à propos de cet échange. Et une pactio et conveniencia qui porte donc sur la possession ou el quasi, hein, et qui permettent dès lors hein, à, comment dire, dans ce troc, d'envisager justement la prise de possession hein, par le bénéficiaire de cet échange, sin licencia ni mandamiento de alcalde, de juez, ni de dicho señor marqués, puedan entrar y tomar y ocupar para dicha orden la dicha posesión del quasi de las dichas villas, castillos de Agela y Maravedis de Juruderá, con todo lo otro de su uso contenido a ellas y al dicho castillo anexos y pertenecientes, aunque sobre ello les fuese fecha cualquier resistencia actual o verbal. On a ici un champ de la résistance actuelle à verbale qui fait référence directement à la prise de possession des biens, ici des localités dont on sait qu'elles suivent un rituel hein, très, très net, hein, c'est l'entrée du nouveau possesseur dans les lieux, la remise des clés, la fermeture des portes, bref, l'implication corporelle, hein, cette prise de propriété, et qui montre quelque chose, c'est que quel sens donner à actuel, il faut sans doute, et on va le confirmer après avec la documentation, en fait, il faut sans doute le voir comme il est écrit parfois également dans la documentation, non pas comme actuel au sens d'actuel, mais comme actuel au sens d'aptual, c'est-à-dire d'apto de auto, hein, c'est-à-dire de résistance par acte hein, ou verbal. Et on comprend dès lors pourquoi en 1442, lorsque à la demande de légalisation, d'obtention d'un droit de résistance actual ou verbal, le roi répond par une résistance de fecho ou de derecho. Alors, ce que nous montre donc cette transaction de 1461, c'est la possibilité hein, d'aller rechercher du côté des transactions cette origine de cette résistance actuelle ou verbale
qui est demandé par les villes et qui est nié ensuite par les cessions seigneuriales. Et on a ici quelques pièces qui permettent de confirmer la validité d'une piste, mais qui reste à creuser. C'est par exemple Fuensaldagne qui est soumise à un processus de seigneurisation par la on parle de la part d'Alfonso Pérez de Vivero, qui est bien connu, qui fait partie de l'oligarchie de Valladolid, qui est un soutien d'Álvaro de Luna jusqu'au moment de sa chute, et c'est en partie à cause de lui qu'il tombe. Et on a ici en fait cette vente réalisée entre d'ailleurs le frère d'Álvaro de Luna, Martín de Luna, et Alfonso Pérez de Vivero à propos de Fuensaldagne, a remarqué que cette vente conduit donc à Martín de Luna a indiqué donc qu'il remet finalement la possession non embargante cualquier resistencia actuelle au verbal et qu'il poursuit d'ailleurs en insistant beaucoup sur la résistance, la resistencia alguna verbal ni actual de fecho ni de derecho et si l'officier resistiere, officieren o resistieren yo o ellos o otro por mí y por ellos o ellos y yo por otro cualquier de ellos en juicio o fuera de él en cualquier manera y por cualquier causa razón que sea directa o indirecta en juicio o fuera de él que no nos vala a mí ni a ellos y que por ese mismo fecho pueda yo e ellos y los que conmigo con ellos lo resistieron ser invadidos y resistidos sin pena y sin calumnia alguna y además que por ese mismo fecho y cualquier resistencia que así hiciere yo o los dichos mis herederos et sucesoria en cualquier manera et le texte continue. Or, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est dans le cadre, en fait, d'une résistance qui est essentiellement conçue comme provenant de celle des, d'une part du vendeur, d'autre part des héritiers du vendeur pour contester la vente exercée. On est au cœur ici de pratiques transactionnelles qui montrent tout simplement que la seigneurisation du domaine royal s'est accompagnée de la mise en place d'un marché, un marché des seigneuries, des biens, le perfectionnement des formules juridiques et notariales qui permettent en fait de rendre ces contrats qui sont passés en quelque sorte irrenonçables. Dernier élément pour, disons, indiquer la validité de cette piste, c'est cette pétition de Cuellar qui est adressée à Jean II par donc, le Consejo de Cuellar. Alors, c'est une situation un peu spéciale parce que le Consejo de Cuellar a déjà été seigneurialisé et que par conséquent, a priori, il n'y a pas de direction de communication directe avec le roi. Sauf que ce qui lui est arrivé à ce Consejo de Cuellar, c'est qu'il a été victime d'un démembrement au profit d'un autre seigneur et la mort de ce seigneur qu'il considère légitime, eh bien, l'engage à réclamer la dévolution de certaines localités. Je n'ai pas repris ici l'intégralité de la pétition qui est très intéressante parce que en fait, cela montre les processus de pression seigneuriale qui s'exercent sur ces villes et qui dit pression seigneuriale d'ailleurs d'alors les formes de résistance que développent ces villes. Et on a justement ici cet exemple très parlant des formes de résistance que développent ces villes puisque la fin de la pétition inclut le nombramiento de procurador, donc la désignation d'un procureur qui est chargé de continuer le continuar la dicha posesión, c'est-à-dire de maintenir en fait la possession de Cuellar sur ces localités que la dicha villa tobo tiene et la tomar de nuevo si necesario fuere el obtener entrar en el dicho castillo el dicho lugar pero si yo en todos los otros lugares y continuar y hacer continuación y tomar la dicha posesión de nuevo como dicho es corporal real actual vel casi y tener el dicho castillo lugar de jurisdicción y hacer prendas y prender en cualquier que se fallaren en la dicha nuestra tierra, y poner pena, y penar a todos los rebeldes y contradictores, y defender y resistir la dicha posesión y la tomar de nuevo con armas de gente, si necesario fuere poderosamente, y hacer todos los actos, y todas las cosas que entendades que cumplen, y sean necesarias y hacer en cualquier manera, por cualquier vía, o para proseguir nuestro derecho ante el Señor Rey. On a là les deux voies qui sont indiquées, c'est-à-dire la voie du fait, la résistance physique, armée, le tumulte, et puis la voie judiciaire qui s'ouvre dans la résistance par conséquent à cette seigneurisation. Et
la confirmation du fonctionnement vient d'une, par exemple, de cette session, hein, d'une, comment dire, du Castillo de García Muñoz qui est réalisé avant que ne soit promulguée la loi Pacte, avant 1442, où l'on retrouve, par conséquent, dans la session, l'indication de cette résistance actuelle au verbal pour en nier, en réalité, la possibilité. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le schéma classique que l'on peut avoir pour la loi Pacte de 1442 et l'introduction du droit de jus resistendi est qu'en gros, on a une demande urbaine, on a une réponse royale, sauf que la prospection de la documentation antérieure montre sans doute autre chose, c'est que cette résistance verbiale ou actuelle, il faut la comprendre hein, dans, en fait, une culture qui est celle de la donation, de la cession, de la transaction des biens, en particulier seigneuriaux, mais en fait, une culture de la transaction patrimoniale qui est seigneuriale et qui, par conséquent, n'est pas que nobiliaire. C'est aussi une culture oligarchique, étant donné l'investissement que réalisent les oligarchies urbaines dans les seigneuries et qui les placent dès lors sur la voie de l'anoblissement et de l'aristocratisation. Alors, il faudrait bien entendu hein, vérifier ces pistes-là. Je pense notamment au dossier d'Outiel, hein, qui est un des gros dossiers. Hein, ça fait partie hein, de l'actualité chaude des années 1440, hein, dans la mesure où cette ville, hein, c'est une ville qui avait été rachetée par ses habitants au seigneur Albornoz, hein, qui est donnée par ses habitants au domaine royal, contre la promesse hein, confirmée par Jean Ier, Henri III et Jean II de ne jamais être cédée à un seigneur, et qui est pourtant cédée en 1440 à Pacheco, et une ville qui résistera pendant 4 ans. La prise de possession de Pacheco, une ville qui est d'ailleurs exclue de la loi Pacte de 1442, avec Rumi, il y a d'ailleurs une autre ville, mais qui appartient à la Juan de Navarra, des conditions générales qui doivent s'appliquer au domaine donc en 1442. Quoi qu'il en soit, et pour conclure, je pense que ça va dans les temps ou pas? J'ai dépassé, non? Tu as dépassé beaucoup. Ah, bon, bah, deux minutes de conclusion, François. Solo una conclusión rapidissima. Alors, simplement pour rappeler ceci, hein, c'est que les traces documentaires véritablement indiquent un processus conjoint d'explicitation et d'égalisation du contrat et du jus resistendi, que cette inscription, hein, elle doit peut-être moins finalement à la pensée sur le contrat et le jus resistendi qu'à la pratique du contrat et à la résistance, une pratique qui ramène au droit des contrats et de la possession des biens. Et dès lors, on pourrait indiquer autour de ce jus resistendi deux mouvements. Celui de la politisation des pratiques de transaction patrimoniale, mais aussi celui de la patrimonialisation de la transaction politique. Et on a ici une contiguïté de pratiques entre une noblesse aristocratisée et des oligarchies seigneurialisées, avec une culture commune finalement de l'oppression et une culture commune de la résistance à cette oppression qu'elle pratique par ailleurs. Et c'est la conjonction entre ces deux mouvements, politisation des pratiques de transactions patrimoniales, mais aussi patrimonialisation des transactions politiques, indique un temps qui est celui des années 1420-1430 que l'on peut considérer finalement comme le temps de mise en place d'une république élitaire en Castille. Légalisation du jus resistendi, mais une légalisation qui participe en fait de la mise en place d'un régime de la faveur. Et terminant, François. Lo siento por haber. Pas grave. Merci bien, il était très intéressant. C'est dommage qu'il y ait cette limitation de temps, mais c'est très suggérant, très suggestif. Nous avons écouté sur ces jus resistendi. J'espère répondre après le thème dans les débats, parce qu'il y a beaucoup de choses très suggestives. Si c'est comment placer les jus resistendi dans les privilèges et comment les mettre en place. Et j'espère revenir après, mais alors, pour améliorer même la discussion, nous allons à la Zin Paper. Jean Dumoulin, Aline Berbets. It's a pleasure for me to have here
friends. So Jean de Milen and Wimber Betts, they're working in the Ghent University. Both has a long curricula around tensions and the society, the urban society in the Flanders cities and towns, and it's very appropriate to hear them about urban protest in 13th century Northwestern Europe, a comparative approach. Please, when you wish. Thank you, Flossel. Okay, I also want to thank the organizers for inviting us on a conference on this very relevant and interesting topic, but perhaps we will be the odd ones out a bit, because this paper is not about ideologies or law or theories on sovereignty and the right of resistance. I have published on that in the past as well, but on the practice, in fact, of protest, the use, the practice of resistance by people who, of course, formulated their own thoughts about the right they had to protest, but who did not write them down. Only for the later Middle Ages, the 14th and 15th century, it becomes possible to also study the discourses of ordinary town rebels, and not learned jurists, or not even the people who wrote down petitions and who were also literate and trained. So this is really about what is happening in practice. And we start with a poem, in fact, the so-called Prise de Neuville. This is a satiric poem written between 1218 and 1227 in the northern French city of Arras, one of the major economic centers of northwestern Europe at that time. And this Prise de Neuville, as a kind of satire, so mockingly depicts a group of weavers. They are Flemish speakers in this, so Dutch-speaking Flemish speakers in this Francophone town, clearly migrant workers in the booming textile industry. The weavers are preparing a revolt against the ruling elite, and their leader, Simon Banin, or Banin, claims a seat in the urban government. Although this is a fictional text, it represents a new social reality of ordinary working people striving for political power. In fact, the poem is one of the earliest texts referring to the subversive potential of the urban artisan class in medieval Europe. And the story coincides with a more general period of unrest during the 1220s, with manual workers claiming better working conditions. We are only indirectly informed about popular protests in this period, but towards the middle of the 13th century, workers' collective actions, especially in the large textile towns in Flanders and its surrounding regions, become distinctly more numerous. The wage workers and independent small producers' right to collectively organize and defend their material interests seems to have been what was primarily at stake. The artisans of the cloth industry were in most cases not yet organized in autonomous craft guilds, but were subordinated to quality control boards controlled by the city governments or by the merchant guilds. However, through collective action, wage laborers and small commodity producers now became a force to be reckoned and also negotiated with. Between 1275 and 1285, these first still hesitant instances of social struggle were followed by a major sequence of revolts in a number of textile towns in Flanders, Artois, and northern Picardy. So this entire zone of the Low Countries and the northern France. Popular protests became ever more frequent, involved more people, and featured more violence, more often in terms of
cruel repression by the authorities rather than in acts of brutality perpetrated by the rebels themselves. It was that the violence was, in fact, the violence of the states, of the princes, of the governments, of repression. And not, this is a misconception to always think that medieval protest was very violent. It was usually not that violent. But here, repression and during the last decade of the, or two decades of the 13th century, the repression really augments. Unlike the urban conflicts earlier in the 13th century, which had taken place in a period of long-term economic expansion, so the expansion of the 12th and 13th centuries, this new and larger subversive moment at the end of the 13th century came at a moment of crisis. The final decades of the 13th century generally being considered as marking the end of the long structural growth of the high Middle Ages. So in what follows, we will primarily focus, this is a comparative approach in Northwestern Europe, but our center of attention are is also the center of most frequent and most important occurrence of social protests is this space, which I have already described, and which we might call the larger Flemish economic area. So it's a larger area than the county of Flanders, known to everybody, I suppose, with Bruges and Ghent itself. It is a region. So we call this a larger Flemish, we are expansionists, Flemings, and we call it the region bordered by the Kingdom of France and the Holy Roman Empire. That includes so the county of Flanders proper, but also the Duchy of Brabant. Perhaps you can show it with the arrow, Lane. The county of Artois, the city of Tournai, and some towns in the county of Hainaut and in the wider region of Picardy. Around 1200, this distinctive area of export-oriented textile-producing towns had already been strongly connected with the county of Champagne, which is a key trading zone, of course, at that time because of the importance of its fairs. And via the land routes and waterways that passed through Brabant, the Meuse region and Liège, Flanders and northern France were also closely linked to Cologne and the wider Rhineland, as well as Westphalia. As a matter of fact, the urban revolts of 13th century Northwestern Europe are squeezed between two separate historiographical traditions. So we focused on this 13th century, and we thought this was also fit for this conference, given the importance of the 13th century also in formulating theories on tyranny and notably, of course, Aquinas and Charles of Rome. When it comes to studying the 13th century revolts, the 13th century is a bit left out because it's squeezed between these two separate historiographical traditions. On the one hand, there are the mouvement communal, as they say, the communal uprisings of the 11th and 12th centuries. This is a movement of emancipation of urban social groups from seigneurial power, so a kind of resistance of the commune against the lords. For instance, the communes of Cambrai, Tournai, Cologne, Laon, and Saint-Omer are some of the most clear examples outside Italy, of course, where this is also, but also in so the communal movement is in central France or in Western Germany and in the Low Countries. So this is the one, the first historiographical tradition, and the other hand, the majority of students, of scholars who study medieval popular protests have focused exclusively on the 14th and 15th centuries. When apart from continuing revolts against princely power, different groups within the city also confronted each other. Hence, we are stuck in the middle here, and for this period in between, as we might say, the central question should be when and how a transition occurred from an epoch during which incipient urban communities generally faced opponents from outside, lords, bishops, to
One in which intra-urban conflict between various urban social groups became the dominant type of interest in the ever-growing, more polarized town. So an evolution of resistance, let us say schematically, of the town against the lord, of two different groups resisting lower classes, resisting the upper classes in the city itself, which is most common for the later Middle Ages. In the 11th century, the phase when this communal movement starts, cities in Flanders and the surrounding region had already developed into strong economic forces, with the cloth industry and regional trades as the engines of growth. Between the last quarter of the 11th and the first half of the 13th century, most of these early urban or proto-urban agglomerations received liberty charters, chartes de privilège. Unlike in nearby episcopal sees such as Tournai, Laon, Cambrai, or Cologne, where city dwellers violently confronted their bishop's secular authority, in the towns of the county of Flanders, Bruges and Ghent and other places, the communal movement was mostly peaceful. Urban communities became a communio, amicitia, or pax, the names used for the communes, to the mutual benefit of lords and the merchant elite. It was a win-win situation economically for the lord also to recognize and to the commune and grant the liberty charter. By 1127-28, dealt with in the famous chronicle by Galbert of Bruges, during a succession struggle in Flanders, rising urban agglomerations such as Ghent, Bruges, and Saint-Omer appeared as self-confident political players strong enough to dictate the terms of negotiation with the French kings and successive new counts of Flanders. And also other lords in this region, like the Prince Bishop of Liège, the Counts of Leuven, who later became the Dukes of Brabant, the Counts of Hainaut, and the French king himself also pursued the same policies. The urban liberties they granted stimulated markets and artisanal production. In return, princes and prelates could increase their fiscal incomes, but they also jealously safeguarded their authority. So there, a kind of new phase follows in which princes then see that this communal power is becoming too strong and they try to keep it in check. During 1165-77, we can't precisely date this series of charters of that time, Philippe of Alsace, the powerful Count of Flanders, restricted the communal power of Arras, Ghent, Bruges, and Ypres by imposing a strict princely criminal law upon them. So here is a new reaction against this communal autonomy. The early communal assemblies and judges from the 11th and 12th century have been replaced now by the scabini, the aldermen, les échevins, schepenen in Dutch. And these were princely officials appointed for life and recruited from the patrician elite of merchants and urban landowners. And also in France, the French king Philippe Auguste, an equally strong prince who would then turn his attention to Flanders as well and diminish the power of this county. He also introduced similar centralizing policies in many of his towns. So there we are at the beginning of the end of the 12th century, at the beginning of the 13th century, where this communal phase, this communal movement, I think had its time, and now it is time for something new to begin, a new phase in the history of urban resistance. Yes, indeed. And the rather peaceful formation of urban communes in Flanders that Jan just described during the 12th century was followed by a century of urban unrest. And we can divide the collective actions during the 13th century roughly into three phases. A first phase from the beginning of the 13th century to 1250, when artisans gradually entered the stage of politics. A second phase between 1250 and 1270, during which events of urban protest mainly took place in the areas surrounding the Flemish region, like Liège, the Rhineland, and England. In these regions, the actions of artisans were mostly based on alliances with other social groups in the city. And then finally, a third phase around 1280,
when the core of intra-urban conflicts shifted back to Flanders with a general wave of insurrection as some kind of climax of the previous developments. I will now discuss all the events that happened during these phases and discuss the special features or the specific features of these events. At the end of the 12th and the beginning of the 13th century, intra-urban conflicts appeared, but still intermingled with communal conflicts of the older type. It's not until around 1225 that craftsmen started demanding political inclusion in some towns. And we consider this as the starting point of a first phase in which artisans entered the stage of politics. For the very earliest examples, like for example the Prise de Neuville in Arras that Jan already mentioned, we lack the information to know what really happened, but short mentions in the sources hint on textile workers and mostly weavers and fullers asking fairer wages, better working conditions, and possibly also political participation. We know, for instance, that in Valenciennes in 1225, weavers and fullers rebelled, and in Douai in 1229, new tariffs and working hours were set for the cloth shearers, and the obstruction of work was severely punished. It is likely that these kind of events and conflicts not only arose from temporary moments of economic crisis, but also from a more structural relative deprivation. From the middle of the 12th century onwards, population growth in Northwestern Europe boomed. Workforces from the countryside migrated to the cities, attracted by the cloth industry and other possibilities for employment. And by 1200, this population growth was placing pressure on the original city communities. Economic development caused social polarization, but also created upwards social mobility. Because of the constant influx of new labor, wages and living standards did not follow the pace of growth of the profits derived from merchant capital, but also from the textile industry. In other words, there was more and more wealth in 13th century urban societies, but it was ever more unequally distributed. And the artisans who migrated to the cities usually settled in the expanding suburbs with poor living conditions, or they moved from town to town looking for temporary employment. Although a reconstruction of the exact course of the events remains impossible also for the collective actions from 1240 onwards, the intra-urban conflicts become more outspoken by then. Workers claimed autonomy to organize their work and to negotiate their wages and working conditions, which is reflected in ordinances for several crafts in the 1240s and 1250s. These ordinances, so these documents, were a result of negotiation between three groups. First, the international merchants, and second, the drapiers, or the entrepreneurs who organized cloth production, and finally, the actual manual workers. The negotiations between these groups were not without controversy. The setup of severe punishments for cloth shearers obstructing work in Douai in 1229 might be a hint at the first known worker strike in Western Europe. In the same town of Douai, a strike occurred for sure in 1245, around 1250, and again in 1266. Around the same period, the Douai aldermen prescribed a residence period of 5 years in the city before one would be entitled to burgership, to citizenship. Considering the mobility of manual workers, this must have excluded many of them from the urban liberties. The mobility of the working classes is illustrated by events of weavers and fullers causing uproar around the same period in the neighboring duchy of Brabant, a less urbanized region than Flanders, but with rapidly growing textile industries. First in 1242 between Antwerp and Mechelen, and a few years later between 11 cities from the duchy of Brabant and the Prince Bishopric of Liège, agreements were set on recalcitrant fullers and weavers who traveled from town to town looking for work. Because they conspired against the liberties of the cities agreed not to provide shelter or work to such individuals. And in 1252, the cities of Mechelen and Ghent came to the same agreement. In Arras, the aldermen had to pay a visit to the Count of Artois against the weavers around 1243. The weavers apparently were by then organized in some kind of guild structure that was named Gueda, a corporation that the city government wanted to abolish. A decade later, in 1253, the city government banned other artisan guilds too.
So these early forms of artisan cooperation were apparently considered as hotbeds for conspiracy and resistance. Around the same time as the industrial actions in Arras and Douai in the 1240s, the weavers of Rouen lost the right to assemble on a certain square in the city because they used these assemblies to organize conspiracies, to collect money, and to demand higher wages. For most of the towns in Flanders and Brabant, the picture arises that around the middle of the 13th century, corporate organizations of artisans were either severely suppressed in collecting their own funds, or they were set up from above and heavily controlled by drapers or merchants. But apparently, through strikes and collective actions, the artisans seem to have had a say in their wages, the tariffs, and the way their work was organized. And this process of consultation and negotiation must also have stimulated the development of an internal elite of more well-off artisans who finally achieved a higher social status. However, political power remained in the hands of merchants and local landowners for some time, but pressure grew. Between 1250 and 1270 in Flanders, different forms of artisan protest continued, but less frequently than around 1245. This seems to have been a period of economic growth and probably wages increased, easing social tensions on some occasions. In the adjacent regions to the east of Flanders, a new phase in 13th century urban popular politics would start in the smaller and middle-sized towns of the region of Liège, as well as in other episcopal sees like Cologne. Urban society in these towns was less polarized and textile workers less feared for their revolutionary potential, by the simple fact that there were no such artisanal neighborhoods of textile workers as it was the case in Flemish towns. Therefore, alliances between a middle class of artisans and the elite were more likely to come into being, especially when the ruling classes were themselves divided. Some examples. Between 1250 and 1255, conflicts startled the cities of Liège, Sint-Truiden, Dinant, and Huy. In a complex set of events, the urban rulers and the bishop confronted one another over tax laws and jurisdiction, and the common people also became involved in the conflict, opposing the bishop. A revolt broke out in the entire prince bishopric, and eventually the cities of Sint-Truiden, Dinant, Huy, and Liège had to capitulate against an alliance of noblemen who came to the bishop's rescue. Prominent in this revolt were artisans such as butchers and coppersmiths and other common people, but they allied with the patricians against the power of the bishop and against the power of other factions of the ruling elites. The struggles in Cologne during the 1250s and 1260s were also complex and may even have been inspired by the events in Liège, only 130 kilometers away. In this case, however, the bishop of Cologne forged an alliance with the commune in an attempt to weaken the power of the urban ruling classes. This is an unexpected coalition of craftsmen and the bishop, and it overthrew the urban government, and for some years, craftsmen even were included in the city council. In 1262, the new archbishop ended this guild participation, but for years to come, craftsmen, and more specific, again, the weavers, kept revolting against the ruling elites. Further north, the brief success of the artisans of Cologne inspired similar revolts in Dortmund and Soest, but they were less successful. These collective actions in a number of German towns mostly consisted of a demand for political participation by the wealthier artisans and lesser merchants through broader alliances. And not so much as it was the case in Flanders and Brabant of strikes and disturbances by proletarian manual workers. So it was a different kind of urban protest. The same broad alliances dominated urban protests in England. Apart from London, the towns of England were smaller and less autonomous than in Flanders or the Rhineland. And between 1250 and 1270, a growing discord among the ruling classes culminated in a national conflict known as the Baronial Wars. Many townsmen in cities like Oxford, Grimsby, and Canterbury seized the opportunity to express their malcontent about the ruling elites. Figures from the minor patrician class took the lead in these kinds of demands. They channeled the grievances into a broad movement directed by the merchant class, but heavily supported by the artisans. For example, in 1263, a rebellion in London was led by a mayor, but joined by fishmongers, skinners, ironmongers, and corders, trying to break the merchants' political monopoly. By the last quarter of the 13th century,
the center of rebellious activity again turned westwards into the Flemish and Northern French textile area. The synchronicity of the revolts around 1280 is interesting, and in many ways, we argue, they are a culmination of all the developments we described. Never had the demand for political participation by the middling groups and new elites been so apparent as then. It was once again the textile workers who would become the vanguard during most of these rebellions, but it appears that a politically successful revolt required an alliance between different social groups, often including some elites. In 1274, the same agreements as in the 1240s were once again set between the city governments of Brabant, and they involved the city of Ghent too, where in 1275, for 2 years, an anti-patrician government was formed with the support of the countess. In Saint-Omer in 1277, all coalitions of craftsmen were banned, and in Tournai in the same year, artisans revolted against a new tax on consumables. These events of unrest are some kind of prelude to a series of revolts around 1280. The simultaneousness of the insurrections confirmed the significant role of workers' mobility and lines of communication within the urban network in connecting all these collective actions. The wave started in September 1280 in Bruges with the Moerlemaier revolt that lasted over a year, involved various phases, a faction struggle within the merchant class and artisans formulating their own demands. In Damme, a small outport of Bruges, a complaint on misuses of the ruling elites was written in the beginning of October. The rebellion reached Ypres in early October with the Coquerelle conflict, opposing drapers and wage workers on the one hand and the merchant elite on the other. It also involved textile workers from the surrounding countryside and smaller towns such as Popering. In the same month, the spark flew to the web, where textile workers' revolt was triggered by unpopular fiscal measures. The unrest started probably the summer before already, because on the 13th of December 1280, the Aldermen of Tournai decreed that textile workers who had been banished already in June 1280 from Douai, Poperinge, Ypres, Lille, and Valenciennes would be exiled also for a year from Tournai. Dating the events in Saint-Omer is not easy, but troubles also arose there in 1281, undoubtedly inspired by the earlier events. The main issues of these revolts were wages, the demand for self-control from the craft guilds, political participation, and fair consumption taxes. The insurrections were not limited to the Flemish area. In the city of Provence, closely connected to Flanders through the fairs of Champagne, artisans, with the weavers again at their vanguard, killed the mayor on the 29th of January 1281. This occurred in the wake of malcontent after new royal taxes that were mainly paid by the lower classes. A similar occurrence took place in Rouen, where textile workers killed the mayor on the 2nd of February 1281, also due to high taxes. Rebellion then spread in concentric circles around Flanders. In 1282, the crafts of Brussels obtained the right of assembly, but the exact circumstances remain rather obscured. In Arras, merchants sided with the commoners between 1283 and 1285. In Metz in 1283, uproar stemmed from a certain neighborhood where mainly weavers, woolcombers, and other artisans were located. And in the following years, craft guilds rose in the German towns of Erfurt, Steendal, Rostock, Magdeburg, and Brunswick. So collective actions continued, of course, to be a feature of late medieval and early modern politics. Non-elite groups and artisans in specific were at times successful in gaining political power within their towns, even if in the long run, the rise of the princely states made it more difficult for them to maintain it. During the 16th century, craft guilds were politically defeated almost everywhere. So the 14th and 15th centuries had been the peak of these struggles. It seems, however, that the structural constellations and the typical stakes of intra-urban conflicts in northwestern Europe had already been set in the 13th century. Scholars dealing with medieval revolts have not sufficiently made this point. The 13th century was indeed the most crucial epoch of change for urban politics in general. Characterized by strong growth and also social polarization, as well as social mobility, this was a period in which the urban landscape
was profoundly structurally transformed. By 1275, the social system of the medieval town was, as it were, saturated. Societal contradictions were increasing and political crisis was imminent. Greater social diversity produced opposing social classes, corporately organized interest groups and patrician factions, all players in the political field, creating various coalitions with each other and princes, regional lords and prelates. The older communal types of conflict that pitted entire urban communities against their local lords did not entirely disappear, especially in smaller towns and less urbanized areas, such as England, for instance. But they were gradually superseded by social and political strife within the city itself, even as state formation was accelerating. Indeed, although we have perhaps not been able to highlight their role sufficiently, in many regions, princes certainly also remained strong political forces, influencing urban divisions from the outside. In some cases, peasant movements did as well. Another phenomenon we have not been able to systematically consider here. Unfortunately, we also did not have enough time to discuss ritual and cultural forms of protests and the ideological discourse it produced. Whereas we hope to return to these questions in the future, our primary objective here has been looking for general structural comparisons and changes. And indeed, when we further broaden our geographical scope in this comparative exercise, more superficially, because this is what follows, we only take from the secondary literature, we didn't study the primary sources here. But when we further broaden this on a European level and compare it with the Mediterranean world, it must be noted that similar evolutions had already taken place in Italy beginning at the end of the 12th century. The rise of the Popolo movement united the non-elite social groups, artisans, organizing crafts, small merchants, notaries, this is well known, against the magnates who ruled the urban communes. Around 1200, broader social groups were already represented in the government of Pistoia, and in 1210 this was also the case, for instance, in Cremona. In Modena, the Popolo assumed power in 1229. In cities like Florence, Piacenza, Lucca, Siena, Bologna, and Genoa, this happened during the 1240s and 1250s. As in Northwestern Europe, this was a geographically diverse movement. But in general, the Popolo was usually composed of the Società delle Arti, the crafts guilds, so, and the Società delle Armi, neighborhood militias set up to protect the local population against the violence of feuding patrician lineages, in addition to small merchants and notaries. And in Florence, there is the further distinction between the Arti Maggiori, the merchant guilds, and the Arti Minori, the crafts who assumed power themselves, the crafts, during the 1290s briefly. And they would continue struggling against each other for over a century. And in the south of France, this process had also taken place somewhat earlier than in Flanders. At the beginning of the 13th century, internal conflicts broke out between the lesser people and the elite in Albi, Montauban, and Agen, mostly triggered by unjust taxation. In 1238, the Bishop of Cahors created an alliance with the popular classes against the heretics, very present in that region during that period, of course, and the Magnorum Burgensium Civitatis, the elite, let's say. But the latter, so the patricians, and forced the minores to renounce this oath. Mostly we only know little parts of these episodes, briefly mentioned in one charter or one chronicle. Also in 1241-48, the Medii, so the middle class, literally in Toulouse, seem to have had the support of the Count of Toulouse against the consuls. After 1250, more consulates represented larger groups of the population. This was the case in Montclar, Montflanquin in 1256 and in Castel Sagrat in 1270. So forging temporary alliances, the middle classes managed to enter the scene of politics here as well, likely for the south of France, that is, under the influence of the nearby Italian Popolo movement. In the large and mid-sized towns of northwestern Europe, evolutions were similar, but generally took place a bit later, as we have seen. A comparative approach allows for a more defined chronology and for differentiation between regions and between various types of towns. During a first stage, to repeat, intra-urban conflicts appeared and intermingled with communal conflicts of the older type,
Around 1225, craftsmen started demanding political inclusion in some towns. At the same time, in the textile centers of the Flemish economic region, workers claimed autonomy to organize their work and to negotiate their wages and working conditions, tendencies which would become more outspoken during a wave of industrial action in the 1240s, as you have seen. In the meantime, as urban communities became more socio-economically diversified, upward social mobility further shifted the balance of power. And during the third quarter of the century, the economy continued to grow and social and topographical polarization increased in the larger textile towns. However, drapers, retailers, and other artisan elites now often found themselves closer to the commercial class and urban landowners, these patricians who had monopolized power for more than a century. In various middle-sized towns of the Holy Roman Empire, which was in a general political crisis during the 13th century, the mid-13th century, of course, the middle classes could no longer be ignored. When elites were divided, whether the patrician class within the town divided or lords and bishops outside of it, alliances were formed based on loyal, locally specific dividing lines and the socio-economic character of a town. Joining such broader fronts for the first time in European history, craft guilds could temporarily gain power in a number of cities. The focus of rebellious movements then shifted back to the strongly urbanized area in and around the county of Flanders, which remained distinctive because of an industrial character even more pronounced than that of the great Italian cities. Ghent and Ypres, you have 2/3 of the population working in the textile industry. The revolts culminated in the social and political crisis of 1275-85. Triggered by unfair consumption taxes and by the continuing denial of artisans' rights to organize, city dwellers now revolted in greater numbers, with the textile workers of the poorer quarters, the suburbs of the towns, firmly at the vanguard. They demanded guild autonomy, participation in government, and financial control. These revolts took place against the background of a more general socio-economic transformation, but they were reinforced by a cyclical crisis. They came at the end of a period of strong growth, during which artisans had not enough taken part in the profits, as today, and the middle class was still politically excluded. This sense of relative deprivation provided all the necessary ingredients for a revolutionary wave in which rebels of various regions of Northwestern Europe clearly also communicated with each other and influenced each other more rapidly and profoundly than had been the case before. A new era of popular resistance had started. Thank you very much. Thank you so much. It was very interesting, very complete, this a complete view of these different phases and also this exercise of comparison. Thank you so much. So I have seen here two different but very close papers about the exercise of the resistance in the different scenarios. We are delayed, it's very clear that we are in delay, but it's very interesting and rich. And we can take some minutes for the debate. Please, someone would take the word. We have an instruction. I don't know if you see instruction then to ask for the word to raise the men. Please, someone who wishes to start. So. Flossel. J'aimerais poser une question, mais en fait, pour ouvrir le débat, mais à Diego Quaglioni, qui a parlé ce matin, puisqu'on n'a pas pu discuter après sa communication. Et je me posais une question en écoutant la conférence, et une question que je me pose quand on lit les sources d'assemblées politiques, qu'elles soient françaises ou castillanes.
sur la question de l'effet politique de la Lex Dignavox. Et en fait, je me disais, me posais une question qui est, quelle est la plus efficace? C'est la Dignavox ou c'est la Lex de Imperio, finalement? Sur l'efficacité. Sur l'efficacité politique, c'est-à-dire, dire le, ok, la Lex Dignavox sur le régime d'attachement à souverainisme légal, en fait. Et j'ai quand même l'impression souverainisme. J'ai l'impression que du point de vue de la pratique des représentants, que ce soit les officiers du roi en 1484 en France, que ce soit les villes castillanes dans les années 1469, qui sont des officiers aussi en fait et qui sont complètement formés en fait à l'argumentation juridique, j'ai l'impression qu'ils utilisent davantage finalement l'ex de imperio sur l'origine populaire, en fait. Sur le... Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Diego, du point de vue de cette boîte à outils que constitue finalement ce droit romain et de son utilisation politique? C'est une question que je me pose. Je vous remercie, François, pour cette question très intéressante. C'est une question très difficile à répondre. Je ne sais pas, j'ai cherché de comprendre l'effet politique de la loi Dignavox. Non seulement... au XIVe, au XVe siècle, mais aussi à la fin du XVIe. J'ai essayé de suivre le développement du débat au niveau politique. Par exemple, dans le Parlement, de la couronne d'Aragon, par exemple, parce que il y a beaucoup d'années, j'ai étudié un peu le parlementarisme et le parlement d'Ancien Régime, et j'ai découvert que la loi Dignavox avait un rôle dans le débat politique, dans le Parlement, mais un très petit rôle. Il y avait de remonstrances contre la couronne, il y avait de procès, parce que le Parlement était, comme nous le savons, un tribunal extraordinaire. Et très souvent, la responsabilité de la couronne était évoquée parmi la citation, l'allégation de la loi Dignavox, avec très peu de succès. Avec très peu de succès. Mais toutefois qu'on avait une querelle à propos de la responsabilité de la couronne pour des dommages donnés à quelques privés, la responsabilité du roi, la responsabilité du souverain, la responsabilité de la souveraineté était évoquée parmi la citation de la loi Dignavox, à propos de pratiques, à propos d'un effet politique dont les pratiques de la fin du XVIe siècle. Au niveau politique et du débat politique, au niveau du débat théorico-politique, je pense que c'est très difficile de dire s'il y a eu beaucoup d'importance
la loi d'Ignavox ou la loi Imperio. Le principe de la souveraineté populaire transférer à un prince, à un souverain. Je crois que peut-être la loi Imperio a une importance peut-être a plus d'importance pour une littérature plus génériquement politique que pour une littérature plus précisément juridique. Mais c'est seulement une impression. Merci, Diego. Je peux ajouter que dans la couronne de l'Aragon, je pense que peut-être ça peut arriver dans notre lien. À la fin, il y a une question de force, parce que si le roi n'a pas de juridiction, n'a pas d'argent, alors c'est difficile, bien qu'il y ait la loi. Alors, mais on parle de la responsabilité du souverain, de la responsabilité du roi, de la responsabilité de la couronne, justement dans les parlements, parce que c'est dans les parlements qu'on parle de finances, qu'on parle d'argent. Parce que c'est lorsque le Parlement se réunit que il y a un contrat, un contrat réel entre le sujet et la couronne. Et c'est le moment où la couronne doit rendre justice au sujet qui ont difficulté d'avoir justice dans le tribunal ordinaire. Le Parlement est un cour de justice et la suprême cour de justice, même dans la couronne d'Aragon, ou peut-être surtout, spécialement, le modèle de la couronne d'Aragon, c'est un modèle très important, et la responsabilité du souverain est très souvent évoquée lorsque l'administration du royaume est chargée de quelques faute de quelques accusations. C'est le souverain qui répond. C'est une fiction juridique, mais c'est le discours parlementaire qui requiert que le souverain réponde. Well, we are in delay and we are very late, but there is a very few questions. Una piccola domanda di Paolo. Paolo, che hai mandato la parola. Thank you. May I speak in Spanish? Come quieras, puoi parlare italiano. Okay. No, it's a question for Professor Quaglioni, because no sé si hay una relevancia politológica más importante en los specula principum o en los discursos parlamentarios que acaba de citar el profesor Quaglioni. Pero si hablamos exactamente del derecho financiero, del derecho de, por ejemplo, devaluar la moneda, hay un specula principum de Pere Belluga que cita exactamente en la rubrica de la devaluación monetaria la digna vox, exactamente para contrastar de toda forma el derecho y digamos el pacto que no se puede
violar por el rey en este caso específico, que donde el derecho de la comunidad es un derecho sobre el valor de la moneda. Por eso creo que, bueno, la Digna Vox tenga una relevancia politológica importante, incluso que, claro, no está dentro del Parlamento, pero creo que, claro, por supuesto, un texto como esto de Pere Belluga se conocía dentro los niveles políticos, las cortes y, digamos, los que mandaba en las coronas de Aragón. Eso es. Muchas gracias. Aprovecho la matización de Paulo en relación con esto, porque realmente el sentido de mi pregunta no era si no tenía o no tenía importancia, la tiene. Tengo sensación solamente que hay momentos... ¿Puedo decir algo? C'è poco tempo. Sí, solo un minuto, Diego, para la pregunta de antes. Quería decir que tengo sensación que si cogemos los contextos, hay veces que de pronto... los años 1460-1480 es más interesante apelar la ley de imperio que la ley de Digna Vox. Es decir, posiblemente haya cronologías que habría que poder documentar, pero que demuestran movimientos en la elección, digamos, de esas referencias. Yo creo que dependa, mucho dai contexti. Il caso castigliano è senz'altro molto, molto importante da questo punto di vista. Altrove forse dipende anche forse dallo sviluppo del dibattito in sede giuridica, in sede universitaria, nella letteratura dotta. Vorrei solo dire che lo scritto di Pere Belluga è veramente di enorme importanza. Parlando solo di Baudin prende le mosse da lì per contestare l'idea stessa di una legge contrattata, di una legge pattuita, di un fondamento convenzionale della legge, ma è molto importante anche per tutto ciò che riguarda il funzionamento dei parlamenti. Il Parlamento si tiene per ottenere il donativo, cioè per ottenere il finanziamento del sovrano nella forma fittizia della donazione, una volta e per sempre, una volta e senza conseguenze. Ed è nel corso del dibattito di un vero e proprio braccio di ferro tra stamenti e corona che sono esaminate le cause straordinarie, e molte di queste sono cause che noi oggi chiameremmo di giustizia amministrativa. Si tratta di soggetti che reagiscono contro danni provocati dall'amministrazione, ma a risponderne non è una astratta amministrazione. Nel linguaggio del tempo e nelle pratiche del tempo e nelle dottrine del tempo a risponderne è il sovrano in prima persona. Perciò la legge Digna Vox viene citata in Parlamento e se ne disputa il contenuto. Ecco, in questo senso tutta la dottrina dell'età intermedia non può che essere racchiusa anche in quei momenti particolari che riguardano non le dottrine ma le pratiche. C'è una relazione tra dottrine e pratiche. Il caso dei parlamenti è uno, ma si potrebbe andare oltre, naturalmente. Grazie, grazie mille a tutti, è stato molto interessante. Si vede che aveva molto dibattito. We have a lot of ideas to discuss, especially about the two papers. We have not arrived to discuss all the papers, but really it's really late, and we should finish. We must finish and to give place to the immediate session. We have a second session. As you can see in the program, the second session starts when we are speaking. So thank you so much. We must close.